Yo, what's up la grande famille d'Influence? Oui, c'est Influence TV. Ça se passe ce soir, comme vous pouvez le voir, sous le soleil. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'été. Je suis en mode été. Regardez mes shorts. Je suis un peu swagué. Mode été, ça se passe. Donc, très rapidement, vous savez, trois petites règles. Première règle, si t'es en bas de 3 ans, avise tes parents, dis maman, papa, regarde, ça se passe, Influence TV, tout de suite. Là, tu peux venir regarder avec moi si tu veux. Deuxième règle, donne pas tes informations personnelles. Vous le savez déjà. Puis troisième règle, reste respectueux parce que nous sommes une influence. Je vais pas le dire parce que tu l'as dit. Oui, je t'ai entendu, tu l'as dit. Donc, je vous laisse avec le programme. On se revoit tantôt. Peace out. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le quiz de la semaine avec mon assistante Alicie. Hein? Dis, are you ready? Mes chers camarades, bonsoir. Nous allons tenter ensemble de comprendre ce type de comportement. Are you ready? Dis-le, dis-le. Ok, bon. I love it. Ça va mal tourner cette histoire. Donc, si vous vous connectez maintenant dans le chat, vous avez la chance de gagner un prix. Donc, je vous invite à vous connecter avec nous, guys. Et on va commencer avec le quiz. 7 questions. On aime le chiffre 7. Est-ce qu'on aime le chiffre 7? Alicie? Alicie dit oui! Non, plus fort. Oui! Dis-le plus fort. Ok. Oui. Dis-le plus fort. Oui! Oui, ok, bon. Ok! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. C'est un quiz général, guys. Quiz général aujourd'hui, donc question numéro 1. Question numéro 1. Dis-le. Oh mon dieu, c'est rien, il n'y a pas ta chemise, mais peut-être. Go! Question numéro 1. A few moments later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Laquelle des planètes du système solaire possède le plus de lunes? La réponse? Abraham Lincoln. Oh! Ah! Yep! Kennedy! Bro! Question numéro 3! C'est pas vrai! Combien y a-t-il en moyenne de litres de sang dans un corps humain adulte? Question numéro 4. Depuis quelle année les femmes ont-elles le droit de vote au Québec?
Question numéro 5. Quel héros a initié la saga Marvel? La géographie, 2, la théologie, ou 3, l'exégèse. Question numéro 7. Combien de frères Jésus avait-il? Et la réponse est... va être annoncé dans le chat, donc merci beaucoup d'avoir participé et à la prochaine! Dis à la prochaine! À la prochaine! Yeah! Hey guys, je suis de retour, je sais que vous aimez ce qui se passe dans le monde, ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé, mais j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Écoute-moi bien, ouvre grand tes oreilles, ok? J'ai un petit verset pour toi, c'est rapide, c'est dans le psaume 23.1. Ça dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas c'est quoi ta situation présentement. Je ne sais pas si tu as besoin d'un emploi pour l'été. Je ne sais pas si tu as peut-être besoin de tes notes pour passer ton année. Mais sache que Dieu prend soin de toi. Durant cette saison, durant l'été, sache que Dieu va pourvoir chacune de tes besoins et qu'il est concerné pour toi. Donc, peace out, je te laisse. Retourne regarder Influence TV. À tantôt. Peace. What's up tout le monde? Nouveau segment qui commence aujourd'hui. Comme vous le savez, notre pasteur Alberto, c'est un pasteur qui aime ça rire, qui aime ça avoir du plaisir, qui aime ça compter des blagues. Et on a créé ce nouveau segment qui s'appelle les jokes du pasteur Alberto. Oui, oui, je pense que vous voyez le concept. Un contre un, ils vont devoir se lancer des jokes et la personne qui reçoit la joke va prendre un grand verre d'eau qu'il va garder dans sa bouche. Puis s'il y a de l'eau qui est crachée, c'est parce que elle n'a pas réussi à boire la personne. Right? C'est bon? Moi, je vais être derrière la caméra, je vais juger, mais je vous invite à juger avec moi. Right? On commence ça là. Attends, c'est quoi déjà que je vais dire? Tu te hype. Non, c'est ça, je me hype. Je vais dire, je m'appelle Daishan. Ok. What's up, guys? C'est Daishan, comme vous savez. Celle qui a le plus de victoires. Évidemment, je crois qu'on va me battre dans ce challenge. Je ne penserai pas. Ça ne commencera pas aujourd'hui. C'est notre premier round. Votez pour moi dans les commentaires. Let's go! Salut, guys! Comme vous savez déjà, c'est encore moi. Chut! Ouais, c'est bon. C'est juste pour vous dire que, ouais, je vais encore gagner, je vous le dis. J'ai déjà détrôné Daishan et je vais le refaire. Je vais le refaire et je crois que Dieu va m'aider à le faire. Parce qu'elle est vraiment solide, mais sur ce coup-là, je pense que je vais vraiment gagner. Donc, yo, guys, écoutez pour moi dans les commentaires, vous savez déjà. Et moi, je ne m'y laisse pas. Peut-être que c'est ça. Vous savez déjà. Ciseaux. Montage, papier, ciseaux. Oh.
Ouais, ça va, hein? Parfait, les gens commencent. Ah, vas-y. Ça fait prêt, une bonne gorgée. Voilà. Ça commence bien. Vas-y, dis-le haut et à haute voix fort. Ok, il y a un francophone qui demande à son ami comment on dit je sais pas en anglais. Là, le gars lui dit I don't know. C'est bon, excellent, tu peux prendre le gars. Ok. Sortir une blague. Là, si tu l'as lu, il faut que tu la passes. Moi, je n'ai pas lu. J'ai lu le premier. C'est ça. C'est bro. Ça me... Il n'a même pas commencé. C'est top. Ok, avant de la gorger, là, prends-en un autre. C'est top. C'est trop long, hein? Ah, d'accord. Ok. Moi, j'ai une question pour toi. Sais-tu, c'est quoi une douche? C'est pas? C'est une douche sans eau. Je pense que t'as foiré ta blague. Mais c'est correct, c'est bon, c'est bon. Oh ouais. Ouais, c'est correct. Est-ce qu'un astronaute va être puni pour sa blague dans l'espace? Non, parce qu'elle n'est pas captée. Ouais, c'est bon. Salut Dasha. Comment appelle-t-on la fille la plus paresseuse? La fille, hein? Tu peux rire. Est-ce que tu connais la blague du photographe? C'est normal, elle n'est pas encore développée. C'est bon. C'est nul. Oh. Ça va, Dasha? As-tu entendu parler des deux personnes qui ont volé un calendrier? Ben, c'est normal, ils ont pris 6 mois chacun. Tu peux rire. C'est correct. C'est bon, continue. Assurez-vous de... J'avais plus soif. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Un bébé dans deux poubelles. Ok, c'est bon, Jules. Vas-y. Ok. Que faire pour sauver la vie d'une mouche qui se noie? Ben, du mouche à mouche. T'inquiète, ok, c'est bon. Next. Ok, celle-là, elle est bonne. Guys, celle-là, je suis assurée que je la gagne. Quelle est l'expression préférée d'un dentiste? Que Dieu vous protège. Bon, j'ai dit ça, t'as ri là, ça t'a ri là. C'est dit. C'est dur.
C'est bon, juste. Elle a fait un point, elle a fait un point. T'inquiète. Le gars il pleure, yo. Yo, j'ai pas aimé. Après, il était trop bon. Continue. Pourquoi les poissons ne jouent pas au basket? Mais parce qu'ils ont peur du filet. Bon, c'est bon. Ok, comment on appelle un journal publié chaque semaine au Sahara? Les brumadaires. Les brumadaires. Quelle est la date d'anniversaire de tous les chats? La mia. Miaou. C'est bon ça. Comme je dis, c'est pas nécessairement les meilleurs. Est-ce que c'est pourquoi un train électrique va plus vite qu'un train à vapeur? Aujourd'hui, je fais la boîte mystère pour la première fois, donc supportez-moi dans les commentaires. Non, je ne suis pas dans le challenge pour cet épisode, donc c'est quelque chose de spécial. Donc priez pour moi qu'il n'y a pas de choses bizarres ici parce que je ne sais pas ce que je vais voir, mais je suis prête. On y va. C'est bon, tu peux y aller. Après du temps, c'est grave. Non, pourquoi c'est trop. Non, ça me parle de ça même. Non, c'est froid. C'est quoi ça, man? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, ok. Bon ben les amis, comme vous avez pu constater, le segment boîte mystère est fait pour moi. Fait que dorénavant je ne serai plus dans le challenge. Je suis encore dans le challenge. Mais j'ai réussi! Let's go Ygrine! Let's go Lian! Yes man! That's it, okay.
Et oui, c'est déjà la fin, donc on veut juste prendre le temps de dire merci à la grande famille d'Influence TV. Parce que vous savez, vous, vous venez juste les vendredis, vous regardez, mais il y a une grosse équipe en arrière. Donc merci à tout le monde, c'est très apprécié. Merci à nos pasteurs, vous savez déjà, sans vous, ça ne serait pas possible. Donc, surtout toi qui étais là, t'as écouté, t'as feel le vibe, t'as aimé ça, you know the thing, je sais que tu as apprécié. Donc, oublie pas de like, de share, de partager avec tes amis, parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'écouter ça. Donc, on se voit la semaine prochaine. Peace and love.